Julien? Oui? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as 5 minutes pour préparer tes affaires. Pourquoi? Parce que je t'ai fait une surprise, on va quelque part. Ah bon? Ouais. Où ça? Quelque part. Et combien de temps? Une semaine. Une semaine? Ouais. Donc j'ai 5 minutes pour préparer mes affaires. Ouais. Ok. Je suis prêt. Hop là. Tu fais ça. Ah mais c'est vraiment une surprise quoi. Oui. Putain mais c'est long 3 heures avec ça. On part pas à Tahiti quand même. Regarde pas. Oh putain! On est où là? On est à Briançon! Briançon? Mais en fait, t'as prévu quoi? T'as prévu un trip, un programme? Ouais, c'est un petit tour. Elle est gentille, je me marie avec cette femme. Bon bah les amis, ce petit trip surprise commence. Qu'est-ce qu'on dit? C'est parti! C'est parti! Sérieuse là? Nouvelle journée, nous avons 4h40 de route, je sais toujours pas où on va, c'est moi qui conduis. Gaël, on est en Italie, on va où là? Non mais elle m'énerve, Non mais attends, si tu m'as dit qu'on avait 4h40 de route. Et hier je t'ai dit j'ai envie d'une pizza, tu m'as dit on aura le temps d'en remanger. Je me suis dit il est con parce que quand j'ai dit ça, ils auraient dû utiliser direct. Ah donc on va en Italie? Bah oui. Ah tu me le dis. Bon les amis, on va en Italie, je sais pas. Il nous reste 3h49 de route. Je suis sûr que c'est Naples. Non. Ou les Cinque Terre. Je pense que c'est les Cinque Terre. Ah je joue mal la comédie, je pense. Bon bah les amis, on fait un peu de route et puis vous saurez très bientôt là où on va. On va à Pise. C'est ça? Oh, il n'y a eu aucun panneau sur 500 km. Mais c'est là où on reste 4 jours? Non. Ah, là c'est un petit passage quoi. C'est un passage, mais on va faire demi-tour là. On va au 5 Terre? Oui. Ah bon, Gaël, on est à Pise. Donc il faut qu'on fasse la fameuse photo traditionnelle où tu vas porter la tour. Juste comme ça. Voilà, bouge pas. Ta main rapproche là. Ah là, là on a de la photo là. De retour dans la voiture là, franchement c'était chouette, c'était super beau, je suis content de l'avoir fait. Alors par contre putain les mecs, ils sont vraiment bons. Ils se sont dit comment est-ce qu'on peut attirer des touristes dans notre ville. Bah la solution ça a été de construire une tour en biais. Comme ça ils se sont dit voilà ça va être un phénomène. Et les mecs voilà c'est peut-être eux les génies du marketing du d'antan. Hein. Nouveau départ, nouvelle destination, on est resté 3 jours et demi au 5 Terre. On va où, Gaël? Ah, quelque part. Allez, dis, arrête là, c'est chiant. Il y a encore une surprise, c'est même pas le lieu la surprise. C'est le lieu plus une surprise. Ouais. Genre une activité. Tu verras.
amis, on est en France, Gaël, je sais pas où on va, on est à Nice là, on est à 7 km et demi. Ça veut dire qu'on va à Nice? Je sais on pas. Va à Nice? Je sais pas. Attends, il y a quoi que des... Antibes? À Antibes? Non. À Joinville-les-Pins? Non. À... Putain, je connais pas. Cannes? Attends, il y a quoi comme panneau? Mais déjà, Nice. avant d'aller quelque part, il faut qu'on aille manger quelque part. Ah, c'est ça la surprise. Donc là, on va garer la voiture et on va aller manger. Gaël, on va où là? Bah... Si tu me demandes de prendre ma caméra, c'est que c'est bien. Non, c'est que je vais filmer ta réaction. Ah, j'ai un peu peur. Oh putain, attends, mais je m'attendais à un truc de fou en mode. Ah non, c'est que des copains. C'est que des amis. Ah putain, je suis déçu. Ça va? Putain, je me suis mis en mettant des trucs depuis tout à l'heure. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.